On travaille sur le taux d'ombrage financé par Tata Bisou et Pierre, merci beaucoup. Donc la machine est sortie, on a très beaucoup réfléchi et là on commence à s'élancer, on espère que ça va marcher. Et en plus c'est cool parce qu'après on aura une énorme protection solaire, eau. Et en plus normalement si tout va bien ça récupérera l'eau de pluie aussi. Un petit bijou. Hello, il y a un peu de bruit mais c'est parce que les générateurs fonctionnent. Comme ça on peut utiliser la machine à coudre au mouillage. C'est trop bien. Le Père Noël il est passé. On a offert nos cadeaux. Coucou. Ça c'est le meilleur des cadeaux. Il y a Monique qui est arrivée. C'est la Mère Noël. C'est la Mère Noël. C'est mais bon, bien. Mais la Mère Noël elle a eu aussi des cadeaux donc ça c'est cool. Merci. Bon bah après une semaine de glandouille, on commence à se réactiver vu que on a une nouvelle mousse à bord. Alors aujourd'hui on va faire un super tour avec un petit water taxi avec les gilets orange sur nos dos. Et on va voir plein de belles choses, super. Voilà. Just flames burning in your fireplace. I hear your voice, and it seems as if it was all a dream. I wish it was all a dream. Just flames burning in your fireplace. I hear your voice, and it seems as if it was all a dream. I wish it was all a dream. On essaye de remplacer le faisceau du moteur et c'est pas évident, ça fait 3 heures qu'on est dessus. Le faisceau ça sert à tout, démarrer, faire les sonneries d'alerte, un peu tout, et on a dû le changer et là on galère un peu. On n'a pas réussi à allumer le moteur, alors pour se consoler, Monique s'est motivée, elle a arpenté toutes les rues de Bocas del Toro, enfin les deux rues quoi. Elle nous a ramené les courses pour faire des falafels. Et on va même avoir une friteuse bricolée. Voilà. Comme le moteur ne marche pas, qu'il pleut, quand je pense que je fais tous ces kilomètres pour venir avoir la pluie aux Caraïbes, franchement. Donc on a décidé d'être efficace. Et donc, on se lance dans la couture technique. Le moteur est réparé et hier on a fini le taux de soleil qui est principalement un taux de pluie à Bocas. Mais c'est trop bien!
à Bocas del Toro. C'est la pluie. Faut bien s'occuper. Il pleut. Toujours il pleut. Alors ben je fais des crèmes au chocolat et on joue aux cartes quand il pleut pas trop. Enfin, on joue dehors. Parce que au bout d'un moment la pluie va être trop forte et il va falloir qu'on se remette à l'intérieur du bateau. Que nous connaissons vraiment très bien maintenant depuis 8 jours que je suis là avec la pluie. Mais bon, c'est ça. Tell you one thing, ain't gonna change much. Sun still rises, even with the pain. Tell you one thing, ain't gonna change love. The sun still rises. Bon, il pleut toujours, donc on mange des crêpes avec des invités. Okay. Hi. Okay. Say hi. Hello. On vient de se réveiller, il pleut plus. On va aller faire un tour un peu à Bocas quand même. Et demain, normalement, on s'en va. Ce qu'il faut savoir quand tu veux changer d'endroit avec ton bateau à Panama, c'est qu'il faut payer un papier qui coûte 1,50$. Que si tu payes pas, c'est 200$ d'amende. Donc on a voulu le faire pour partir demain dimanche, mais les autorités veulent pas nous le donner. Ils considèrent que le temps est trop mauvais. Là-bas, où on veut aller. Là-bas, où on veut aller, et sachant que nous, on a regardé, pour nous, c'est pas mal. Voilà, donc on est bloqué ici. Et il y en a ras-le-bol. Alors, on n'a pas pu partir en bateau. Donc là, on essaie de faire un truc parce qu'il pleut pas à Bocas del Toro. On a essayé de prendre un bus et il était plein. Maintenant, on essaie de prendre un taxi, mais ils veulent pas nous prendre. Voilà, donc on sait pas trop ce qui se passe, mais tout est compliqué ici. On a trouvé le taxi! Bon, il se remet à pleuvoir finalement. On est parti de la marina. On n'est pas parti de Bocas del Toro parce qu'on avait peur que ce soit un peu short au niveau timing pour l'avion de Monique. Donc on est déjà au mouillage, c'est déjà pas mal. En plus il fait beau et on expérimente le taux pour le soleil et non plus pour la pluie. Quel plaisir. Et en plus, on a une nouvelle annexe qui est immense. Il faut faire 2 pas pour aller à l'avant et à l'arrière. Et comme ça on pourra avoir plein de place avec nos équipiers pour le Pacifique. Voilà, c'est le départ. Et bien sûr, comme pour me narguer, il fait beau, alors qu'il a plu pendant tout le séjour, mais bon, c'est pas grave. On a passé quand même des super bons moments avec Flo et Clem. Et voilà, et à la prochaine fois, et là, vous commandez le soleil, hein, sinon je reviens pas. On met même le gilet dans les rues de Bocas del Toro. Maman. C'est la première fois qu'on emmène quelqu'un, non pas à l'aéroport, mais au petit port, pour prendre un bateau. Voilà, ma mère s'en va en bateau. Ok, très bien. Profite de ton bateau. Alimento, alimento. Voilà la chica de vuelta.